les enfants, attendez. Ou alors, j'ai aussi tourné dans des séries télé. Ah, je ne suis pas aussi célèbre que ma mère. Ah, oui, ah, bah, j'ai écoutez... pas fait sa carrière. Il y a donc le Côte d'Ivoire, Mara, Venezuela, c'est un Indien, Georges Daro, vous voyez un peu. Enfin, à peu près, hein. Jean-Claude, parisien. Ah oui. Voilà. Moïse, qu'elle a présenté comme un Israélien, mais qui était juif, mais pas d'Israël, de Kishilagan, mais qui est décédé en cancer. Oui, il y a 20 ans. Luis Colombie. Zeno Teruya, enfin son premier prénom c'est Teruya, mais nous sommes japonais. On l'appelle Jano, parce que d'ailleurs son second prénom. Yari, ça se prononce, donc il est à New York, finlandais. Stella, qui est d'origine marocaine, et qui a un prénom italien, parce que ma mère voulait planquer ses origines marocaines, parce que c'est la fille d'une princesse de sang qui a eu une aventure, mais il ne fallait pas en parler, enfin bref, et qui ne pouvait pas garder le bébé parce qu'elle n'était pas mariée, enfin bref. Donc c'est un prénom italien, mais en fait elle devrait s'appeler Leila ou un prénom comme ça. Marianne, donc née à Alger, de Saint-Ouen, qui a été abandonnée, c'est ma mère l'a appris en rentrant de tournée, le bébé il avait été abandonné dans une poubelle un soir de Noël à Saint-Ouen, et elle a pris ça en rentrant de tournée. Et elle a voulu savoir où était passé le bébé, il était à l'assistance publique, donc d'accord. Il était soigné parce qu'il était froid. Et elle s'est dit, ah, je vais l'appeler Noël et je vais le prendre. Parce que son donc, histoire. Elle avait pris que les garçons. Non mais justement, elle a commencé par Akio en Corée, donc en Corée, au Japon, et Teruya Jano. Et là, elle est revenue avec les deux bébés. Et là, mon père lui a fait, bon, Joséphine, tu veux adopter d'autres enfants? Oui. Et mon père a dit, bon, écoute Joséphine, si tu dois en adopter d'autres, il faut que ce soit des garçons. Elle a fait, bah pourquoi Jo? Bah oui, pourquoi? Elle dit, mais parce que Jo, hein, ça s'appelle l'un l'autre. Mais parce que plus tard, s'il y a des filles et des garçons, et s'ils sont attirés amoureusement ou sexuellement les uns par les autres, surtout qu'ils sont frères et sœurs de lait, on va avoir un problème. Ma mère fait, ah oui, là, j'avais pas pensé à ça. C'est bon pour vous, attention. On y va? Oui, deux, trois. Voilà. Merci. Bertrand. Oui, voilà. Alors on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je voudrais saluer tout particulièrement un de ses fils, vous avez vu, il y en a 11, M. Brian Baker, et je conclurai sans chanter parce qu'il fait beau, j'ai deux amours, mon pays et vos valeurs. Thank you.
dire que ma mère serait très honorée et même émue d'être ici avec vous. Je pense qu'elle vous aurait embrassé toutes et tous chaleureusement, les unes, les autres, surtout en voyant tous ces enfants, tout ce melting pot que ici dans ce parc où bientôt vous allez pouvoir vous rencontrer, échanger. Tout à l'heure, peut-être même, on a parlé de danser, il y aura de la musique, il y aura aussi de la lecture, des rencontres, des échanges, tout cela, ça fait partie du rêve que ma mère avait, c'est-à-dire un rêve d'idéal, de fraternité universelle. Et elle disait, la fraternité universelle, c'est pas facile, ça va être long, mais ça n'est pas une utopie.